Bonjour, on est mardi matin. Je viens de rentrer de ma marche matinale. J'aime bien faire ça en ce moment. Pas très longtemps, c'est en général 15 minutes, quelque chose comme ça. Les lieux sont très beaux, la lumière du matin est très belle, il fait beau. Enfin, ouais, j'en profite à fond avant de rentrer à la ville. Je vous ai pas parlé hier plus que ça en,
en face caméra, j'ai envie de dire, parce que j'avais tout simplement envie de profiter de ce moment au calme, plus en introspection. J'ai déjà, je trouve, beaucoup de stimulation au final, plus que je ne pensais, que ce soit avec les gens de l'abbaye ou des gens que je rencontre sur les chemins quand je me promène. Pas que ça ne me plaise pas ou quoi que ce soit. Ce sont des gens très gentils et j'aime beaucoup interagir avec eux. Mais c'est vrai que j'ai aussi envie de pousser un peu plus dans le silence, presque, pour voir ce qui peut émerger. Aussi parce que j'ai envie qu'il y ait des choses qui viennent de l'intérieur. C'est pour ça que j'aime bien l'idée de couper tout ce qui vient de l'extérieur. Par exemple, j'ai pas internet ici. Donc j'ai décidé de ne pas l'utiliser du tout, même celui que je pourrais avoir grâce à mon téléphone. Je l'ai utilisé très très occasionnellement quand j'avais des transferts à faire vers mon ordinateur, parce que j'ai un petit peu travaillé hier, tu as dû le voir dans la vidéo, sur la vidéo du bullet journal d'avril, voilà. Et aujourd'hui je vais travailler sur une autre vidéo qui sera déjà sortie probablement, puisque je vais mettre un peu de temps à monter ce vlog, je pense. C'était sur donc le brouhaha mental, comment le comprendre, l'éviter, etc. Et au niveau Ayurveda, qu'est-ce qu'on dit de ça? C'est une vidéo que j'ai tournée de manière très spontanée parce que j'ai vraiment envie de partager ça et j'aime bien comment ça s'est passé. Donc je vais voir au montage ce que ça donne. Mais bref, hormis ça, du coup, j'ai pas utilisé Internet, ce qui me fait beaucoup de bien. J'adore le fait de ne pas être joignable. C'est un truc qui pouvait rendre fou certaines personnes de mon entourage, notamment quand je travaillais pour d'autres personnes et qu'ils essayaient de me joindre. Mais j'aime beaucoup l'idée de ne pas pouvoir être joignable au moment où j'ai choisi de ne pas l'être. C'est de plus en plus compliqué de nos jours, surtout avec le métier que j'ai choisi de faire, parce que ça se passe bah, essentiellement en ligne, essentiellement par les réseaux sociaux notamment. Et là, je ne suis pas dessus de toute la semaine. Ce qui, moi, me va très très bien. J'adore interagir avec ma communauté, avec toi. J'adore échanger dans les messages, etc. Et ça continuera toujours. Et c'est vrai que c'est pas du tout naturel pour moi à la base. Avant de travailler là-dessus, j'avais des réseaux sociaux un peu comme tout le monde, mais j'allais très 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 peu dessus. Tout simplement parce que je préfère les interactions en direct avec les gens et on peut vite passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux à regarder beaucoup de choses qui parfois ne nous apportent pas grand-chose. Et parfois, l'inverse est vrai aussi. On peut passer du temps à trouver des pépites et rencontrer de magnifiques personnes, comme ça m'est arrivé plein de fois grâce à mes réseaux. Mais bref, il faut un équilibre à tout. Et comme je travaille beaucoup sur les réseaux sociaux, que je passe beaucoup de temps connectée de manière générale, là, ça me fait énormément de bien de ne pas l'être. Hier, j'ai fait une assez longue promenade, enfin longue, je suis sortie un peu plus de 2 heures. Je me suis trouvé un petit coin pour travailler, parce que, enfin surtout pour méditer à la base. J'ai passé beaucoup de temps à ne rien faire, ce qui est très étrange pour moi à certains moments. Mais je sais que c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien. Et après, j'ai juste noté des idées sur un futur projet qui va bientôt venir. Peut-être qu'il est sorti au moment où je publie cette vidéo, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, j'ai fait ça. J'ai bien pris le soleil. Je pense que peut-être tu le verras pas à ma tête parce qu'on est le matin encore. Je suis peut-être encore un peu pâle, mais j'ai pas mal pris le soleil. J'ai beaucoup marché pieds nus. Je marche beaucoup pieds nus ici parce que bah, y a de l'herbe partout. À l'abbaye, j'évite de le faire dans les parties communes parce que bon, c'est pas. Les gens vont me regarder encore plus bizarrement que c'est peut-être parfois le cas. Donc, par contre, dans le petit carré d'herbe que j'ai à côté de la maison, bah, je suis pieds nus en permanence. Et dès que je vais marcher dans des chemins où il y a de l'herbe ou de la terre battue, là je me mets pieds nus aussi et c'est hyper agréable, j'adore ça. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai rencontré quelques personnes qui, sur le chemin, me disaient mais oulala, vous avez pas peur des épines, de vous faire mal? Et c'était la première réaction qu'ils avaient en fait, ça me faisait rire. Souvent des personnes âgées, il faut le dire, ou en tout cas plus âgées. Et j'ai eu une longue réflexion après pendant ma marche sur la notion de danger, de risque, etc. Parce que pour moi, c'est pas vraiment un grand danger de marcher sur de la terre battue. C'est différent que de marcher dans des lits de ronces ou dans des endroits qui sont pleins d'épines, etc. D'accord, je fais attention, je marche pas n'importe où pieds nus. Enfin, d'autant plus que quand tu marches pieds nus,
T'es hyper attentif à ce que tu fais du coup, parce que tu ressens tout dans tes pieds, tu ressens la moindre petit caillou, le moindre petit caillou, tu vas le ressentir. Donc tu regardes vraiment où tu mets tes pieds, etc. Donc c'est déjà un exercice de pleine conscience, j'ai envie de dire. Et puis je sais pas, pour moi la notion de danger, elle est dans d'autres choses que le fait de marcher pieds nus. Mais bref, ça, j'ai beaucoup réfléchi sur ce sujet après ça, parce que ça m'a fait sourire quand on me disait ça. Et en même temps, je voyais que ça interpellait les gens et les quelques enfants que j'ai croisés. Il y avait des. Mais pourquoi elle marche pieds nus? Et puis après, tout de suite après, mais elle a le droit en fait, hein, elle a le droit. Et ça, j'adore parce que bah, je me dis, ouais, ils voient quelque chose de différent. Peut-être qu'ils n'ont pas l'habitude de voir des gens marcher pieds nus. Et peut-être qu'ils vont se dire, ah ben en fait, moi aussi j'ai le droit si jamais j'ai envie. Là, peut-être que j'ai pas envie, mais si jamais j'ai envie un jour, je pourrais le faire. Et j'aime bien semer des graines comme ça, sans le vouloir, hein, je ne le fais pas exprès, mais je trouve ça drôle. Ensuite, je suis rentrée, j'ai travaillé sur les textes d'Hippocrate, encore une fois. J'adore lire ces livres, prendre le temps, en fait, surtout de vraiment lire à fond, de ne faire que ça. Parce que comme c'est pas en lien direct avec mon travail, dans le sens où je ne parle pas de médecine hippocratique, je ne l'utilise pas encore pleinement. J'ai du mal à prendre le temps de vraiment le faire à fond. Et là, je m'étais donné l'occasion de le faire. Donc, c'est hyper agréable. J'ai découvert des choses. Il y a pas mal de choses qui recoupent avec l'Ayurveda, comme je te l'avais dit. Donc, c'est très, très chouette. Et puis, surtout, de le faire dans un cadre très, très agréable, puisque j'étais sur ma petite table de jardin pendant presque 2 heures, à moitié au soleil, à moitié à l'ombre, pour faire ce travail, donc au contact des éléments, ce qui était très agréable. Et ensuite, vu que j'avais un petit peu de temps, j'ai fait une séance de yoga, donc une deuxième séance. J'en ai fait une quand c'était dimanche, je crois. Non, hier on était lundi, samedi. Donc j'ai fait une première séance samedi de 1 heure et là j'en ai refait une. Et je pense que j'en referai une peut-être demain. Et c'est, j'adore en fait faire du yoga le soir. Je le fais pas souvent parce que tout simplement je me donne pas le temps de le faire. Souvent, le yoga, je le fais le matin très court, quelque chose comme 15-20 minutes pour réchauffer mon corps, étirer mon corps, etc. Et ensuite, je fais ma séance de sport de 20 ou 30 minutes. Et le yoga, j'en fais en général le samedi un peu plus longtemps, mais il m'arrive de ne pas avoir le temps. Donc parfois, il y a plusieurs semaines où je ne fais pas de yoga pendant une bonne heure. Et ça me manque parce que c'est vrai que les séances longues, ça permet d'explorer d'autres choses. Et c'est très très chouette. Là, je suis les séances de Hélène. D'ailleurs, si Hélène, tu passes par là, je te fais encore un coucou. C'est des séances centrées sur les chakras. Donc, c'est un travail que je trouve intéressant. Donc, bref, cette retraite se passe très très bien. Une dernière chose aussi, c'est que les rares fois où j'ai dû remettre l'internet pour m'en servir pour mon travail, j'ai forcément bah, des notifications de tout ce qui arrive, etc. Sachant que sur mon téléphone, je déteste en fait les notifications sonores. Et celles qui se mettent sur l'écran verrouillé, etc., où on a l'impression d'avoir 10 000 choses. Donc, littéralement, moi, ce qui sonne, c'est uniquement quand j'ai des messages, donc des SMS ou des appels. Tout le reste, je n'entends pas, en fait. Que ce soit WhatsApp, email, Instagram, Facebook, peu importe. Tout ça, c'est en silencieux. Il n'y a même pas de bannière ou quoi que ce soit. Il y a juste éventuellement une petite icône rouge avec le nombre de messages, d'emails, etc., sur l'application. Donc j'ai juste gardé ça. Ça fait des années que je fonctionne comme ça parce que voilà, je déteste quand le téléphone sonne fort, etc. Et être dérangée en permanence par des notifications, c'est insupportable pour moi. Par contre, c'est compliqué pour moi de. Enfin, en tout cas, en ce moment, ça l'est pas. Mais d'habitude, j'aime pas voir les mails qui s'accumulent, les messages qui s'accumulent. J'aime bien vérifier assez régulièrement pour ne pas me laisser envahir. Et là, ça m'a fait sourire parce que je vois bah, forcément, là, ça fait combien de jours? 4 jours que je suis partie, donc forcément ça commence à s'accumuler grandement. Et j'ai vu les chiffres et je me suis dit, oh, bon, on traitera ça quand on reviendra. Ça ira, tout va bien. Et je le vis bien mieux. Donc peut-être que je supporterai mieux d'avoir des notifications en attente par le futur. Et bon, ça, c'est pas lié à de la manie ou je sais pas quoi. C'est vraiment que j'ai tellement de réseaux, enfin. J'ai tellement de choses à différents endroits, que ce soit Instagram, YouTube, les mails, Facebook, etc., qu'il faut souvent que je check à plein d'endroits pour voir vos messages, notamment. Il m'arrive souvent Facebook que je regarde un peu moins souvent,
d'avoir des messages et de les voir plusieurs jours après. Donc ça, je préfère éviter parce que bah, quand les gens me contactent, c'est pour être assez rapidement en contact avec moi. Donc vu que je dois toujours checker différentes plateformes très régulièrement, c'est assez fatigant. Et du coup, j'essaye de ne pas trop laisser les choses s'accumuler avec le temps, tant que je le peux, parce que je sais qu'avec avec les années, ça va sûrement s'accélérer, les partages, etc. Et donc, j'aurai peut-être moins le temps de faire ça, mais pour l'instant, j'ai la capacité encore de le faire. Mais bref, je suis rentrée dans un sujet qui n'est pas du tout important ce matin. Et le programme d'aujourd'hui, ça va être donc le montage de la vidéo dont je te parlais. Je vais me retourner me promener parce que j'adore ça. Et je vais sûrement refaire les services à l'abbaye. Donc je l'avais fait samedi où j'avais nettoyé des ustensiles notamment pour aider les moines tout simplement qui ont pas mal de choses à faire dans l'abbaye. Et vu que j'ai un petit peu de temps, je vais leur consacrer 2 heures je pense cet après-midi. Et puis voilà, on va essayer de profiter à fond de ces derniers jours. J'ai trouvé un petit chemin. C'est vachement sympa, qui est à moitié à l'ombre. Là, j'ai fait ce côté, mais il reste là encore. Et je pense que je vais me trouver un petit point. Je vais me poser pour travailler un petit peu sur l'iPad, comme j'avais fait hier, sur le prochain atelier sur l'hygiène émotionnelle. Je voudrais préparer un peu, voir ce qu'on va aborder. Et puis, me reposer, admirer le paysage, surtout me reposer. Parce que j'ai mes lunes aujourd'hui, c'est le premier jour et c'est fatigant. Ok, donc je crois que je t'avais laissé lors de ma marche tout à l'heure. Je suis allée marcher après le repas, c'était chouette. C'était assez court parce que je voulais rentrer à l'abbaye à temps pour commencer les services donc de l'après-midi. Et ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est qu'ils m'ont demandé de nettoyer une petite chapelle qui se trouve dans l'abbaye. C'est marrant d'ailleurs parce que ce matin, j'y suis passée pendant ma marche que j'aime bien faire le matin et je me suis arrêtée devant, je l'ai beaucoup regardée, etc. Et là aujourd'hui c'est moi qui l'ai nettoyé à l'intérieur en tout cas. Et vu qu'il me restait un petit peu de temps après, je suis allée aider en cuisine, puisqu'ils sont plus de 80 moines à peu près dans l'abbaye. Donc ça fait du monde à nourrir. Et du coup ils demandent souvent l'aide des personnes qui séjournent ici pour préparer tout ce qu'il y a à faire. Je dis en cuisine mais j'étais pas dans la cuisine, il n'y a que les moines qui ont le droit d'être dans la cuisine. Ce qu'ils m'ont fait faire du coup, c'est qu'ils m'ont proposé de travailler à l'intérieur ou à l'extérieur. Je l'ai dit avec grande joie à l'extérieur, dans la pelouse, avec les oiseaux, etc. Et ils m'ont juste demandé de casser quelques noix en gros. Donc j'avais un petit panier avec des noix et j'ai fait ça pendant une bonne heure, je pense. Ils m'ont même amené un petit plateau regoûté, c'était super mignon. Pour me faire goûter aussi les petits gâteaux qu'ils font maison avec tous les ingrédients maison, mine de rien, le beurre, la farine, peut-être le sucre n'est pas d'ici, mais c'est à peu près tout quoi.
avec une petite boisson, etc. C'était très gentil de leur part. Et après ça, il était le temps de rentrer, j'ai travaillé un peu sur un texte d'Hippocrate, j'ai continué ma lecture et après je me suis préparée à manger, j'ai dîné. Et après j'ai commencé un mandala. Là je viens d'arrêter de dessiner parce qu'hier j'avais commencé un mandala, hier dans la soirée. Et là j'en suis à un point où je sais pas encore si je veux rajouter des choses ou non, donc pour l'instant je vais le laisser comme ça. Et puis on verra demain s'il est complet ou si je veux rajouter des petites choses. Et puis là, pour le reste de la soirée, ça va s'écourter assez vite. J'ai ma tisane qui m'attend juste là. Et ça va être un petit peu d'écriture. Et puis je vais aller me coucher parce que je suis quand même fatiguée. Ma vie est palpitante. Mais voilà, je vais te laisser et je te dis à demain du coup pour la dernière journée ici. C'est passé relativement vite quand même. Je viens de vous tourner une petite vidéo dans ce joli cadre, ce très bel endroit. Le sujet m'est venu comme ça, ça faisait longtemps que je voulais en parler et là j'ai eu envie, j'ai senti l'élan, donc je l'ai tourné. Je ne sais pas si elle sera sortie quand tu verras cette vidéo, auquel cas ce sera sur le fait justement de vivre une vie imparfaite, notamment sur le point de l'Ayurveda. Le fait de ne pas trop se prendre la tête par rapport à la santé. Donc voilà, je te laisserai regarder la vidéo si jamais elle est déjà en ligne, sinon elle le sera très prochainement. Et sinon, je t'ai pas parlé aujourd'hui, je crois, mais en même temps, j'ai pas grand-chose de nouveau. Donc c'est à peu près les mêmes choses qui s'est passé hier. Donc il y a eu ma marche du matin. Avant ça, j'ai fait pranayama, un peu de mantra, tout petit peu de yoga et puis pas plus. J'ai pas fait de sport aujourd'hui particulièrement, même si je marche quand même un peu pas mal tous les jours. Et après j'ai fait du montage vidéo, j'ai déjeuné, je suis venue ici et après je vais rentrer à l'abbaye et je vais faire donc les services de l'après-midi comme j'ai fait hier. Je sais pas ce que je vais avoir à faire aujourd'hui, on verra bien, mais je tenais quand même à participer une dernière fois avant mon départ parce que je trouvais que c'était vachement agréable de le faire et puis eux ça les aide donc tant qu'à faire c'est tout bénef. C'est marrant parce que pendant tout le séjour j'ai pas eu de moments vraiment chaotiques ou de moments de grosses remises en question ou quoi que ce soit. J'avais pas l'impression d'avoir eu de grandes révélations jusqu'à présent. C'est toujours pas vraiment le cas et je crois que c'est parce que je suis pas sortie d'une zone de confort en fait en venant ici, c'est plutôt le contraire. Pour moi être seule c'est assez agréable, facile entre guillemets, même si j'adore être entourée de mes proches. C'est assez facile pour moi de m'isoler, d'être en nature, de faire des choses seule, etc. J'ai plus de révélations sur moi on va dire quand je voyage, quand je rencontre des gens nouveaux, etc. Mais c'est vrai que ce qui est revenu pas mal hier soir notamment, c'est que je peux miser encore plus, je pense, sur l'amusement, le fait de le contentement, la joie, etc. Que je ressens beaucoup à l'intérieur de moi, c'est-à-dire que là, rien que d'être dans ce paysage, je suis comblée littéralement. Mais les choses ne s'expriment pas forcément très spontanément, on va dire. Et il y a plein de fois où j'aimerais... m'émerveiller devant quelque chose et je le fais pas forcément alors que ça manque pas en moi. Et aussi ce qui m'est venu c'est tu vas le voir dans ma vidéo sur le si tu l'as pas déjà vu sur le brouhaha mental. Je parle du fait que quand on vit un stress ou qu'on vit une période stressante, comme ça peut être le cas là actuellement avec ce qu'on vit personnellement, j'ai pas mal de choses qui sont remises en question, pas mal de voyages qui sont annulés, etc.
Et c'est d'autant plus important quand on ne sait pas quand ça va se terminer, que c'est quelque chose qui devient chronique, comme la situation actuelle, de prendre soin vraiment de son hygiène émotionnelle, de son hygiène physique, de son hygiène intellectuelle, etc., et spirituelle. Et pour moi, ça va passer, je pense, par ce genre de choses que je viens de faire, mais pas sous cette forme. À mon avis, je vais prendre plus de temps à l'écart des réseaux sociaux de temps en temps, c'est-à-dire que voilà, au bout de plusieurs mois, je reprendrai une pause, je pense, parce que ça me permet d'être beaucoup plus productive dans ce que je fais, plus créative, d'avoir plein d'idées, de me garder du temps aussi à l'étude, parce que c'est un point qui est assez important dans mon travail, si ce n'est le point le plus important au final, en tout cas pour moi. Et autant là, la retraite que j'ai faite cette semaine, c'était bien, ça m'a beaucoup apporté, beaucoup me reposer aussi. Autant la prochaine fois, je pense que ce sera plutôt sous la forme d'une retraite créative, dans le sens où je vais plus travailler, être plus dans la réalisation de projets, etc. Parce que souvent, c'est quand j'ai des temps à l'écart ou un changement d'environnement, tout simplement, que plein d'idées me viennent, que je suis, que j'ai envie de créer de nouvelles choses, etc. Et je veux utiliser vraiment cette énergie à bon escient. Ce que j'ai fait un petit peu ici, j'ai pris beaucoup de notes, de projets pour des choses futures, etc. J'ai un petit peu travaillé, comme tu as pu le voir. Mais c'était quand même plus du repos qui était nécessaire, donc c'était une très bonne chose. Mais je pense que par le futur, il ne faut pas que j'hésite à changer d'environnement tout simplement pour restimuler tout ce qui est déjà présent en moi. Parce que je sens qu'à chaque fois, ça fonctionne très très bien. Et autant la routine est quelque chose d'extrêmement important et qui me fait beaucoup de bien. J'adore avoir les choses que je fais tous les matins, etc. Mais j'aime changer une petite chose de temps en temps, comme par exemple le lieu dans lequel je travaille, etc. C'est un petit peu compliqué en vivant en ville parce que je suis en appartement, donc il n'y a pas 10 000 pièces chez moi. Donc je suis assez limitée par rapport à ça, mais je trouve quand même des solutions pour trouver un peu de changement dans ma vie au quotidien, pour être stimulée constamment. Mais c'est vrai que m'offrir un temps dans des endroits beaux et agréables, c'est vraiment une grosse stimulation pour moi. Donc j'ai envie de mettre plus l'accent là-dessus par le futur, si la situation devait continuer encore plusieurs mois, ce que je n'espère pas, mais il faut être réaliste. Si les choses continuent, en tout cas, il faut se préparer à ça. Et il faut juste que je me souvienne encore une fois, parce que ce n'est pas la première fois que je me le dis, de prendre ce temps-là et surtout de prendre plus de temps pour nourrir la joie, nourrir le contentement, m'amuser, etc. Donc je pense que je vais conclure ce vlog ici. Et je voulais te montrer le mandala que j'ai commencé avant-hier soir, puisque je l'ai terminé, enfin j'estime que je l'ai terminé. J'ai rajouté deux, trois petites choses. Je ne sais pas si tu pourras bien voir, mais de toute façon, il sera posté sur Instagram comme la plupart des mandalas que je fais. Et je voulais aussi te dire que là, c'était une semaine de calme. Voilà, j'ai fait volontairement peu de stimulation, que ce soit par des podcasts, des vidéos ou quoi que ce soit. Même en termes de livres, j'avais amené un livre, je l'ai à peine lu. J'ai surtout lu les textes d'Hippocrate que j'ai étudiés, comme je te l'avais dit. Et le soir, j'écrivais, je faisais des mandalas, je me promenais, bref, plein d'autres choses. Et c'était très bien d'avoir une pause comme ça parce que j'ai facilement tendance à trop lire, trop écouter de podcasts, de vidéos, de conférences, etc. pendant que je fais tout, à manger, pendant que je mange, pendant que... Enfin bref, absolument tout. Et là, ça faisait du bien de ne pas le faire. Déjà, ça m'a prouvé que j'en étais totalement capable. Mais là, j'ai un peu envie de plus de stimulation intellectuelle. J'ai envie de recommencer dans l'action, dans la création, surtout que je ressens vraiment là l'énergie du printemps, l'énergie du bélier, etc., qui va en avant. Je le ressens vraiment en moi, donc j'ai vraiment envie de l'utiliser. Il y a même un audiobook que j'ai acheté là pour cette semaine en me disant que comme ça, si jamais j'avais envie, je pourrais toujours écouter ça. Et finalement, je ne l'ai même pas écouté, donc j'ai très hâte de me plonger dedans parce que c'est un sujet qui m'intéresse. J'ai hâte de recommencer à créer, que ce soit sur Instagram, YouTube et à travers des e-books notamment. J'ai envie de me concentrer un petit peu là-dessus. Donc bref, c'était une bonne expérience, très très bonne. J'en ressors bien reposée et j'ai fait le plein de nature, surtout c'est ça dont j'avais beaucoup besoin.
Le contact avec la nature et le bruit, les odeurs, etc. Ça m'a fait vraiment du bien. Et là, il est temps de revenir à l'action, la création, la vie, etc. Donc voilà. Merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. J'espère qu'il t'aura plu, qu'il t'aura inspiré. Peut-être que tu as eu des petites idées par-ci par-là ou que tu as juste fait passer un bon moment. On se retrouve bien sûr sur Instagram et sur Facebook @manonisoropia. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur YouTube. Et en attendant, prends bien soin de toi.